Eh bien, salut les gars, c'est Roms Game. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur, comme vous pouvez le voir, sur Just Cause 4. Donc, un jeu sorti sur PC, PS4, Xbox One en décembre 2018. Donc, aujourd'hui, petite vidéo détente sur ce jeu. Donc, on va commencer tout de suite. Allez, hop, c'est parti. Un jeu que j'ai énormément apprécié, pas mal critiqué par les joueurs. Mais un jeu vraiment sympa pour ma part, avec une map immense. On peut faire un peu tout ce qu'on veut. Donc je trouve ça assez sympathique. Hop. Je vais redescendre. Hop. Alors qu'est-ce que j'ai comme arme? On va faire exploser 2-3 trucs. Je vais le voir s'exploser. Ah bah voilà, les explosions sont vraiment magnifiques sur ce jeu. Donc on va commencer tout de suite. Je vais aller prendre un avion de chasse et puis on va décoller. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. J'ai fait une vidéo sur GTA 4, malheureusement je n'avais pas mis le son. J'avais pas coupé le son assez et donc on n'entendait pas forcément ma voix. Allez hop, c'est parti. L'avion qui décolle. Alors on va pouvoir aller, hop. Je joue avec la manette hein, sur PC. J'ai également le jeu sur PS4 en version Gold. Tiens, on va se rendre à l'aéroport. On va y aller tout de suite. On est à combien de bornes de l'aéroport? Ouais, 14 km quand même. Ça fait de la route. Donc comme vous pouvez le voir, le jeu est quand même. Je trouve que le jeu est très beau. Square Enix ont vraiment fait un effort, il me semble que c'est Square Enix les développeurs de ce jeu. J'ai pas envie de dire de conneries. Et le jeu est vraiment sympathique. Oui, donc comme je disais au début de la vidéo, il a été très critiqué par les joueurs car il n'a pas très bien été apprécié. Ils ont dit que c'était plutôt un copier-coller du Just Cause 3 qui était sorti 2 ans auparavant, 3 ans auparavant, peut-être 2 ou 3 ans auparavant. J'ai fait le premier Just Cause sur PS2 et PC, j'avais fait le deuxième sur PS3. Alors le deuxième était bien, j'ai moins accroché que celui-ci. Le 3 je l'ai fait mais vraiment vaguement parce que je sais pas, j'ai eu du mal. Pourtant il était très bon aussi. Et c'est vrai que celui-ci est pas mal. Moi celui-ci j'ai beaucoup aimé. Si je devrais mettre une note, je mettrais peut-être allez, un petit 15 ou 16 sur 20. Déjà par l'immensité de la map, les décors qui sont somptueux, et puis, oui, puis le niveau de végétation. Dans celui-là, petite nouveauté principalement avec les tornades, les grappins qu'on peut customiser. Comme vous pouvez le voir tout à l'heure quand j'ai essayé d'accrocher le ballon sur une sorte de baril géant. Avec de l'essence qui a explosé du coup en vol. Alors ce qui m'inquiète, c'est que je vois personne sur les routes. Si on vient de croiser une voiture, une deuxième. Ouais, c'est bon, il y a un peu de monde quand même. Alors on n'est plus qu'à 5 km, ça va assez vite. Du coup, je pense que. Je sais pas si ce sort de pont, je peux le faire exploser. Ah, la ville est juste ici, là, elle est cachée. Là, je suis vraiment près de l'eau. On va peut-être remonter un peu. Ah, la ville avec les buildings qui est juste ici. Oula, j'ai touché l'eau. On est plus qu'à 2 km. Allez hop, je suis à fond. Je vais essayer de faire exploser du coup. Hop, normalement j'ai peut-être dû l'avoir là. Ouais, bien joué avec cette magnifique explosion comme vous pouvez le voir. Tac, je vais atterrir sur la piste. Je vais ralentir fortement. Allez. Voilà, nickel. On va s'arrêter là. Là, il y a un avion qui décolle. Ah non, qui repart. Bon, il va continuer d'avancer de façon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à
Largage aérien de mon avion cargo. Sky Castle, largage rapide. Alors, je vais essayer de le mettre comme il faut. Voilà, là, il doit être bien. Là, on va voir l'avion qui devrait apparaître logiquement. Voilà, il est juste ici. L'avion cargo, fort sympathique. Hop. Et voilà. Voilà la bête. Oh putain. Bon, bah, ça sera pas pour tout de suite. Eh bien, je pense qu'il va pas tarder à exploser aussi. Et voilà. Oh là là, c'est un désastre. Bon, écoutez, j'ai toujours mon avion de chasse qui continue d'avancer. On va essayer d'aller faire exploser l'avion qui vient de décoller là tout de suite. Pas que ce soit pas lui qui soit en tort dans l'accident qu'on vient de provoquer. Ce sera pour plus tard du coup le mon avion. Il est juste ici. On va le faire exploser tout de suite en plein vol si on y arrive. Non, ça devait peut-être pas être celui-ci du coup. Et voilà, ça c'est la classe. Du coup, il n'a pas eu le temps d'atterrir quoi. Voilà, petite balade dans Just Cause 4. Petite vidéo que je voulais faire depuis pas mal de temps. Et je me suis pris. Je sais pas si ça va aller. Ouais, si ça fait exploser. Alors, qu'est-ce qu'il va faire lui? On va pas le faire exploser celui-ci. Je voulais aller dans cette partie de la carte qui est un peu plus loin. Partie de la carte que j'aime beaucoup. Donc oui, j'avais fait une vidéo sur GTA 4 où je me baladais également, un jeu que je viens de terminer. Malheureusement, le jeu n'avait pas coupé le son et on m'entendait pas. Enfin, on n'entendait pas spécialement ma voix. Puis j'avais pas. Par rapport au montage et tout, ça allait être un peu plus galère parce que je suis pas non plus. Je suis pas non plus un expert en montage. Donc voilà, là c'est vraiment la partie de la carte que j'apprécie le plus. Ça fait vraiment genre vallonné avec le enfin la pelouse, le gazon, etc. Je trouve que cette partie est assez stylée. On a un peu aussi la partie qui fait plus Amazon de l'autre côté un peu plus loin. On a la partie montagne avec la neige, etc. Et on a le désert qui est un peu plus loin de l'autre côté. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter. Ou écoutez, je vais sauter directement. De toute façon, c'est pas comme si j'allais faire exploser la tour. Enfin la tour, la grue. J'ai pas vu où mon avion s'est écrasé. Bon, ça fait rien. Alors, quel grappin je vais prendre? Je prends la nitro. Qu'on va accrocher juste ici. Bon, ça fait pas grand-chose. On va l'enlever tout de suite. Je sais pas. Alors, comment je vais faire? Je vais custom mon grappin. Je mets tout à fond là. Voilà, là, ça peut faire quelque chose de pas mal. Bon, il a cassé. Il a cassé aussi. Bon, on a réussi à faire exploser le conteneur. D'ailleurs, ce qui me paraît un peu. À moins qu'il y ait eu des véhicules dedans, mais. Voilà, on arrive à faire bouger la tour. Hein. Enfin, la tour, la grue. Elle est pas mal, la grue, là. Hop, si on peut la mettre là-bas. Comment on va faire? Alors, si je prends juste des ballons. Bingo. Donc là la tour devrait peut-être plus tenir si je fais ça. On va voir. Allez hop, une autre partie qui se décroche. Et il en reste plus que deux. Donc là logiquement elle devrait peut-être moins tenir. On va voir ça tout de suite. Ça n'a pas fait grand chose, hein. Hop. Donc si je fais ça. Ah putain, on y est presque. Hein. On y est presque.
Elle tient encore debout. Hein. Pas beaucoup, mais elle tient encore debout. Écoutez, je vais descendre. Bon, ça, si je fais ça et ça, logiquement, ça devrait aller. Ah non. Toujours pas. Me suis trompé. C'était ça que je voulais faire. Voilà. Là, ça devrait être bon. Alors là, il n'y a plus rien qui tient la tour, donc je comprends pas. Si je fais ça, ah là, putain, elle tient rien, elle tient rien. Tac, je vais changer d'arme. On va prendre lance-mine. Hop, on va le jeter là. Et là, si je fais exploser. Voilà. Au moins là, on se casse pas la tête. Hop, j'enlève ça, mes ballons. C'était plus rapide comme ça, effectivement. Bien plus simple. Je suis bloqué ici, d'accord. C'est pas dans ce bâtiment-là qu'il y a la musique de AA, Take On Me. Je sais qu'il y a un glitch comme ça, je pensais que c'était dans celui-ci, il faut croire que non. Il n'y en a pas un autre plus loin. C'est peut-être pas dans ce bâtiment-là, qui sait. Enfin, écoutez, ce que je vais faire. On peut conduire ce véhicule, ça a l'air sympa quand même. Là, j'ai touché mon micro, excusez-moi. Ah ouais, je peux prendre commande de la grue. Ça, tu vois, vous voyez, j'ai jamais essayé. Donc là. Si je tourne ça et que je prends le véhicule. Écoutez, on va rouler pour le moment. On va essayer de choper quelque chose. Ah ouais, d'accord, ça fait tac. Donc là, si je veux le remonter. Bon, écoutez. C'est pas fameux. Je vais voir ce que je peux faire comme largage. Alors, j'ai la Formule 1. Ok, largage rapide. Non. C'est pas ça que je voulais faire. Modifier l'équipement. On va se faire livrer un petit véhicule. Puis après, je vous laisserai, je voulais juste vous faire une petite vidéo détente comme ça sur The Crew, sur Just Cause 4. Allez, on va prendre un petit char d'assaut, largage rapide ici, tac. Largage est en route. Putain, il y a un dirigeable là. C'était joli ça. Comment va-t-il spawn? Ouais, parfait, parfait, parfait. Allez, on prend le tank. On monte à l'intérieur. Puis bah on est parti. Hein. Moi je serai la voiture, je fuirai. Ah ouais, carrément. Voilà, c'est ça qu'on veut, des explosions. Et toi, tu dégages. Je te roule dessus. Donc là, il y a une aile d'hélico qui est tombée. Bon, il va pas spécialement vite. Oh putain, la station essence. C'est ça qu'on veut. Ça va tout exploser. Je veux voir ça. On n'a pas eu des super explosions là quand même. Bon, c'était joli quand même. Peut-être que je suis la route moi. Je vais regarder sur la carte là où. On a une petite base pas très loin. On va y aller.
On a 2 km quand même. On va essayer qu'il nous arrive pas grand-chose en attendant. Bon, après, je suis avec un tank, donc c'est un peu tout terrain. Malgré, il ne va pas très vite. Puis du coup, après cette vidéo, je vous... Ah, c'est pas mal quand même. Bon. Moto n'en a pas fait les frais. Je coupe à travers champs, hein. Je me casse pas la tête. Ah ouais, donc ça va être tant contre tank en fait. Nous aussi, il a ramené le char blindé derrière. Ce que je vois, il va falloir que j'accélère, mais je sais pas si je vais pouvoir grimper avec. Ouais, si, ça passe. Allez, on y est presque, on y est presque. Nous reste 700 mètres. On était à 2 km en arrivant, en partant de l'autre ville. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que j'ai pas grand-chose à dire pour le moment. En même temps, la chaîne, je suis qu'au début de ma chaîne, donc et puis je publie du contenu assez varié. Oula, il m'en fallait pas plus. Là, je vais descendre comme il faut. Je vais faire exploser ces grosses bouboules. On va s'arrêter là, et puis on va admirer la vue. Allez, hop, un deuxième, un troisième, et voilà. C'est magnifique, cette explosion. Ça me fait toujours autant kiffer. Ah, l'autre, elle a pris feu aussi, hein. Bon, on va terminer alors. Allez, t'exploses aussi. C'est beau. Stylé ces explosions. Je kiffe toujours autant. Je suis peut-être un peu loin pour faire exploser ça. Ah, quoique. On est pas mal. Allez, on va descendre. Ouais, si ça tient, ça tient. C'est pas fameux, mais ça tient. Il a voulu me sauter dessus. Je sais pas qui je suis. Hein. On va rentrer dans la base. Au revoir. Allez hop, toi aussi tu dégages. J'ai pas besoin de toi. Par contre, mon véhicule a pris cher là. Je vais sortir. Et on va fuir. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas si je peux faire exploser ça. Monsieur. C'est toute explosion. Allez hop. Un prochain pour la route. Et puis on va s'en aller. Ah ouais, je peux être... Ouais, si c'est bon, ça va le faire. Voilà, c'est ça qu'on veut, des explosions. Elle tire la Vigo. Donc voilà, bon bah écoute, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, bah moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera sur la deuxième partie, la prochaine partie sur mon Tour de France sur Pro Cycling Manager 2020 avec la Trek Segafredo, avec Vincenzo Nibali en leader. Et puis, bah moi, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit si vous... N'importe à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et de lâcher un petit like. Allez les amis. Ciao.